Bonjour à tous, moi c'est donc la reine Opou, je viens encore une fois vers vous, ma famille, vous qui me suivez, vous qui êtes abonnés à mes vidéos. Aujourd'hui j'ai pensé, voilà, nous allons parler du peuple Téké et de sa diversité. Pourquoi du peuple Téké? Parce que j'ai pris personnellement cet engagement de pouvoir m'appuyer sur nos valeurs culturelles. Parce que ce sont nos valeurs culturelles qui nous font exister par rapport aux autres. Parce que quand on est en face des autres, si on ne connaît pas ces valeurs culturelles, si on n'est pas ancré dans ces valeurs culturelles, on n'est que des copies. Pour ne pas aller loin, aujourd'hui, je vais parler des les ethnies qui composent le peuple Téké. Parce que j'ai toujours dit que le peuple Téké, ce n'est pas une ethnie. Téké n'est pas une ethnie. Téké, c'est un peuple. C'est un peuple Téké qui est constitué de plusieurs diversités d'ethnies. Alors aujourd'hui, c'est de cela que je vais vous parler. En tout cas, mes frères, mes sœurs, mes fils, mon monde, mes filles, s'il y a quelque chose que vous connaissez, que je n'ai pas dit ou que j'ai trop dit, ou que ce n'est pas le cas, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. Soyez toujours galants, aimables, fraternels, parce que c'est un travail qui nous appartient. Il nous appartient de faire évoluer ce travail dans le temps et l'espace. Et moi, personnellement, j'ai le devoir, selon la sagesse que nous ont inculqué nos ancêtres, de pouvoir léguer cet héritage à vous, les jeunes, les futures générations. L'Afrique subsaharienne en général est un réseau d'ethnies qui font la grande diversité et la richesse de cette partie du monde. Le peuple Téké en Afrique centrale est composé de diversités d'ethnies. Plus d'une cinquantaine d'ethnies différentes rien qu'au Congo-Brazzaville, auxquels il faut ajouter les composantes ethniques plurielles de la RDC, du Gabon, mais on nous ajoute aussi l'Angola, la Centrafrique et le Tchad. Bon, là encore, on a peu d'informations, mais s'il y a ceux de l'Angola, de la Centrafrique, qui peuvent nous apporter aussi des éléments là-dessus, en tout cas, ça sera toujours un plus. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'au Tchad, nous avons l'ethnie qu'on appelle, je crois, les Sara, et qui ont des balafres. Et vous savez que les Téké, surtout au Congo-Brazzaville, les Téké ont une identité remarquable. C'est aussi les balafres Téké qui sont bien connus. Alors, dans ce cas, on fait un lien avec ceux du Tchad. Et d'ailleurs, parce que j'ai vu aussi dans d'autres pays, les balafres là existent aussi. Alors, si seulement on pouvait nous ramener des informations par rapport à cela, en tout cas, ça fera un plus pour approfondir nos connaissances. C'est quoi le nom Tio? À l'origine, les Téké, bon, Téké quelque part, c'est un peu le français qui a ramené Téké, si on peut le dire. Normalement, c'est Tio. Tio. Tio, c'est à la fois un mot, une ethnie, mais c'est à la fois aussi une ethnie qui a sa racine. Tio, en Téké, veut dire vendre, ou Tio. Tio, vendre, commerçant. C'est de là que vient ce nom. Parce qu'effectivement, à l'origine, les Téké sont des vendeurs, hein, ou on peut appeler aussi des gérants. Hein. C'est donc cette appellation Tio est née de la pratique commerciale. Ainsi, c'est généralisé le vocable Téké ou Tio. Les échanges qui se faisaient, par exemple, avec le Congo-Kinshasa, c'est là qu'on échangeait beaucoup avec les Téké de Mfoy, etc. C'est d'où est venu le nom du beach, je crois c'est beach, non, c'est plutôt de l'aéroport, même si le beach
de Kinshasa, c'est Ngobila aussi, c'est un nom teke. Mais l'aéroport, nous avons l'aéroport de Brazzaville, Maya Maya, que nous savons, c'est un nom teke. Venez, venez, hein, bienvenue, bien sûr. Et puis nous avons, d'ailleurs, je parle de l'aéroport, le nom Kinshasa. Kinshasa, ça vient de Intsaha. Intsaha veut dire la joie. C'est de là que, quand les Teke de Mpoua et les Teke de Kinshasa, du Congo démocratique, allaient se rencontrer et faisaient leur commerce, en tout cas, ils disaient, ben, c'est une ville là où il y a la joie. Et ça vient de là. Intsaha, c'est la joie. Maintenant, moi, ce que je voudrais vous faire part donc de ces recherches que j'ai essayé de faire pour voir un peu quelles sont les diversités teke qui existent au Congo-Brazzaville, au Gabon et en RDC. Ce que je peux dire, c'est qu'au Congo-Brazzaville, par exemple, le peuple teke, on peut le trouver dans les 9 régions sur 12 du Congo-Brazzaville. Je dis bien 9 régions sur 12. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me les apporter. Nous avons dans le pool. Disons, notre pôle, que ce soit au pôle nord ou au pôle sud, on trouve des tékés. Dans la région autonome de Brazzaville, qui est aussi pôle, là aussi, vous trouvez les tékés. Vous trouvez les tékés des plateaux, du Niari, de la Bouenza, de la Lékoumou, de la cuvette ouest, de la cuvette centrale, de la Lima aussi. En tout cas, ça, dans ces régions, c'est là où on rencontre les tékés. Maintenant, quels sont les groupes ethniques diversifiés qui se trouvent au Congo-Brazzaville? J'en ai trouvé quelques noms. Comme je l'ai dit au départ, si j'en oublie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais si vous voyez qu'il y a une faute, une connotation qui n'est pas cela, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Les groupes ethniques tékés au Congo-Brazzaville, nous avons les Oumous, les Tékés de Mpoua, les Foumous, les Tékés Imboto, les Lali, les Cissé, les Ngungoni, les Moi, les Tékés de Mpangala, les Tékés de Muyondi, les Tékés de Boko, les Ntsayi, les Tékés de Mayama, les Gangoulou, les Ndiku, les Kukuya, les Boma, les Tékés Alima, les Mbeti, les Ntsangi, les Ndinzali, les Tékés d'Abala, les Tékés de la cuvette ouest, les Tékés de la cuvette centrale, les Anjinju, Adjidju, les Tékés de la Léfini, les Tékés de Ntsao, les Tékés de Lékéti, les Tékés de la Lampama, les Tékés de Kélé, les Tékés de Kintélé, les Tékés de Sibiti, les Tékés de Komono, les Tékés de Zanaga, les Tékés de Bambama, c'est ce qu'on appelle les Sikozaba. Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama, les Tékés de Kinkala, les Tékés de Nko, les Yaka, les Tékés du Niari, les Tékés de Mosenzo, les Tékés de Muyondi, les Tékés de Labwenza, les Tékés de la Lékoumou, les Tékés de Ngabé, les Ambimbé, les Punu, les Ntsayi, les Nzambi, les Kota, les Yami, les Nkwe, les Nkoli, les Twa, les Tégué, les Gégé, les Tiers. Vous voyez, là, quand j'ai comptabilisé, j'en ai trouvé 56. Du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo-Brazzaville, la diversité teke, elle est présente. On est partout. Alors, la prochaine vidéo, naturellement, je dirai un mot sur le royaume teke que vous connaissez vous-même. Hein, on pourra parler d'autres choses. Pour le moment, je m'investis dans la diversité teke. Je continue. Les groupes ethniques teke en République démocratique du Congo. Là-bas, on trouve les Fununga, on trouve les Bwala, on trouve les Yaka, on trouve les Mfinu, on trouve les Twara, les Babibana, les Nku et les Bolobo. Je passe et j'arrive au groupe ethnique Teke au Gabon. On trouve les Ntsayi, les Punu, les Kota, les Nzambi, les Fon, les Obamba, les Ambamba, les Njinini. Voici mon monde pour aujourd'hui. Le travail d'aujourd'hui, c'était vous faire connaître ces diversités des ethnies tékés qui existent à travers, surtout nos trois pays, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et le Gabon. Parce que
du 23, je crois que c'est du 23 au 27 juin 2023, nous aurons le Festival de la culture Teke qui se tiendra à Franceville, au Gabon. Et je me suis dit, il était temps qu'on puisse au moins parler de cette grande famille qui est le peuple Teke. Parce que on en parle, mais souvent, on n'a pas la bonne information. Voici mon monde, ce que je voulais vous donner ce jour, juste cette petite partie. J'espère que j'ai apporté quelque chose à vos connaissances. Il faut savoir que personne ne sait tout. Qui sait tout ne sait rien. Ce que je vous apporte, c'est le peu que je sais. Et si vous pouvez m'apporter ce que vous avez, ça fera toujours un plus. Merci à vous de m'avoir écouté et je vais terminer avec cette belle chanson que j'adore. Elle est belle, la langue téké. Merci.